Bloqué entre rêves et cauchemars, vida loca. Un pied dans le din, un pied dans le péché, paumé. Bloqué entre rêves et cauchemars, vida loca. Salam à toutes et à tous les amis, c'est Rastasse, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, sa grand-mère la chauve. Donc aujourd'hui les mecs, je vais m'exprimer sur Rockstar parce qu'il y a des choses franchement qui vont pas bien du tout. Avant d'aborder le sujet les mecs, je vous souhaite une bonne année 2023, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, meilleurs voeux, etc. Et puis sa grand-mère la chauve. Et voilà. Au passage les mecs, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Sa grand-mère la chauve. Depuis quelques temps, Rockstar ne... Enfin, précisément, GTA V ne va pas du tout. Parce que, ben, les choses ont beaucoup changé. C'est devenu, entre parenthèses, ridicule, quoi. J'ai l'impression que Rockstar a délaissé GTA V, ou je sais pas exactement. Parce qu'en fait, depuis quelques temps... tout ce qui est véhicule, etc., nouveautés, etc., eh bien, on les a jusqu'à que tu as une barbe blanche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Dernièrement, ils ont mis un DLC Drug Wars. Je pensais que c'était un DLC extraordinaire, etc., mais non. Pas vraiment, parce que j'ai l'impression que le DLC, ils l'ont fait en une semaine, quoi. C'était juste un petit fichier dans le jeu. Et c'est comme si tu dis, comme ça les joueurs ils ferment les yeux quelques temps, on verra après, tu vois ce que je veux dire. Normalement à chaque sortie de DLC on a toujours un véhicule spécial. Par exemple Toreador, dernièrement c'était quoi déjà, je me rappelle plus, mais à chaque DLC normalement on a un véhicule spécial. Mais cette fois-ci on l'a pas eu. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est extrêmement bizarre. Maintenant les véhicules, ils arrivent pas tous les jeudis, ils arrivent... j'ai l'impression, à chaque mois on a un véhicule quoi. Donc quand tu vas dans le jeu, bah, c'est le désert mon gars, tu t'ennuies extrêmement. Alors j'ai vu un peu sur Twitter, il y a des gens qui se sont plaints, ils ont mis le hashtag Rockstar, etc. Mais comme d'habitude, Rockstar ne répond pas à ses joueurs. Elle donne jamais la chance à écouter ses joueurs, des idées, etc. Quand je prends par exemple équipe Epic Games, et ben ils sont toujours à l'écoute de leurs joueurs et ils leur donnent des idées, etc. Rockstar, ils sont pas près de leurs joueurs, je veux dire. C'est extrêmement dommage parce que c'est un très bon jeu. Hein. C'est rien à dire quoi. Ça m'arrive de temps en temps de créer des activités dans des endroits interdits. Et dernièrement, je suis tombé sur deux immeubles qu'on a jamais vus. Parce que moi, quand je vais sous la map, je reste tout le blanc de la map, en fait. Le créateur comprendra. Je suis tombé sur un garage et un immeuble de labo de... J'ai l'impression que c'est un labo de produits chimiques, etc. On pourra peut-être faire des expériences avec les produits, on verra bien. Mais quand, je ne sais pas. D'ailleurs, je vous mets un petit passage des deux immeubles que j'ai trouvé sous la map. Et je vous dis à tout de suite.
Je ne sais pas pourquoi Rockstar retarde tout comme ça. C'est moi, j'ai ma petite idée, peut-être derrière, qu'ils ont été débordés à cause du piratage qui a été fait par un mec qui a hacké quelques images de GTA 6. Et quand j'ai bien confirmé, c'est bien GTA 6. Le mec qui a fait ça, apparemment, il a pris une peine de prison, etc. Je suis pas très au courant, mais j'entends des fois le bouche à l'oreille, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis, ben voilà. Passons à moi maintenant. Ben, moi, en ce moment, je ne peux pas faire de live parce que, à cause de la neige qui est partout sur la map, c'est injouable, etc. Donc, la rage, elle est à son comble, ouais, tu vois ce que je veux dire. C'est chiant, la neige c'est chiant. Dommage qu'on peut pas, genre on lance une liste et on choisit la météo, on peut enlever la neige, on joue, etc. Mais non, elle est plaquée au sol, quoi. C'est impossible de l'enlever. Alors Rockstar, ce qui est dommage, c'est qu'il varie pas en termes de ce genre de truc. On peut genre ne pas mettre la neige, mais on peut mettre une tempête de sable, on peut mettre une tornade, on peut changer de météo, pardon. La neige, c'est chiant à la fin. C'est voilà quoi, il faut voir autrement quoi. Voilà. Donc Rockstar en ce moment, c'est extrêmement, je dirais de la merde quoi, parce que comme je vous dis, j'ai l'impression qu'ils sont débordés. Donc je vous demande de partager cette vidéo parce que je vois que personne ne réagit. Et je sais que je réagis pour rien parce que ça n'aboutira à rien. Mais bon, c'est juste qui compte quoi. Portez-vous bien. A plus, c'était Rastassa, sa grand-mère, chaud. Yeah.